La diversité culturelle est un caméléon sémantique qui a beaucoup d'acceptation, pense Olivier Katuta. Alors, pour le cas d'espèce, nous voulons parler de coutumes, les us et coutumes de population. La diversité culturelle, c'est pour dire là où nous vivons, nous ne devons pas suivre une seule culture. Nous devons voir quelle est notre culture et comment l'adapter avec la culture des autres. En ce 21e siècle, la donne a tout changé et les parents ont un grand rôle à jouer. Vous, le jeune d'aujourd'hui, vous vous laissez charrier par n'importe quelle culture. Donc, les enfants sont perdus. Et la perte des enfants n'est pas seulement de leur faute, c'est la faute aussi à nous, les parents, qui ne voulons pas dire à nos enfants quelle est notre culture. Par la même occasion, cet opérateur culturel appelle les communautés au respect de coutumes pour faire valoir la diversité culturelle. Pour mieux vivre ici à Kolwezi, nous devons adapter nos cultures. Nous devons les conformer de façon que le vivre ensemble soit efficace et inévitable. Le 21 mai de chaque année, l'humanité célèbre la Journée mondiale de la diversité culturelle. Le thème retenu pour cette année est « Vivre ensemble ».